Bonjour à tous. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter donc le unboxing de Watch Dogs Vigilante Edition sur PC. Voilà. Donc comme vous le savez, je commence tout doucement donc à collectionner aussi le jeu Watch Dogs. Et puis là, j'ai pu récupérer donc la Vigilante Edition en français, bien sûr, sur PC. Donc on va voir ce qu'elle réserve. Donc on peut voir que dans un premier temps, nous avons un plastique qui entoure la boîte du jeu, un plastique des plus simples, avec comme d'habitude la présentation du contenu. Et nous allons passer à ce qui nous intéresse, c'est vraiment le dit collector, voir ce qu'il renferme, malgré que nous avons quand même la description, c'est-à-dire une casquette et un foulard, mais on va voir la qualité de ces deux articles. Donc petite particularité, là on peut l'entendre. Nous avons un aimant, donc c'est plutôt pratique parce que des fois que c'est vrai, on a du mal un peu à emboîter les boîtes dans leur emballage. Non, là au moins on est sûr que ça bouge plus. Ça c'est plutôt pas mal. Donc on l'ouvre, on se retrouve avec la présentation classique, c'est-à-dire style le hacking des caméras en ville, etc. De l'autre côté, le sigle Watch Dogs avec Eden. Et à l'intérieur, voilà Watch Dogs Vigilante Edition. Donc c'est parti. Nous allons découvrir ensemble ce que cela renferme. Alors, donc on peut voir, c'est une partie. Voilà, juste une petite boîte, une partie vide où se cache simplement la casquette. Voilà. Casquette Watch Dogs. Donc tout ce qu'il y a de plus basique. Avec une fermeture, hop, avec une petite pression, donc là on le sort, on règle, tac, on referme, et puis bien sûr, on glisse le tout là-dedans, on règle ça à la taille de sa tête. Voilà, sobre, noir, le logo noir légèrement brillant. Donc là, c'est une partie rigide devant. Tout l'arrière est une partie souple. Donc, ça, la casquette. On vérifie qu'il n'y a plus rien dans cette partie. Nous allons attaquer l'autre partie. Où là, bien sûr, je pense qu'on va y retrouver le jeu. Bon, ça, c'est l'emballage qui doit rester normalement dans la boîte. Donc voilà, donc le jeu classique. Qui dit que le jeu ne peut être vendu séparément de cause qu'il est vendu dans le collector. Après, on y retrouve la bande son qui se compose de 13 titres. Et comme prévu, donc le fameux foulard. Voilà, Watch Dogs. Voilà. Donc je pense, ouais, on peut, je pense qu'on peut le mettre comme foulard pour les motards. On peut le mettre sur la tête. On peut le mettre sur la tête style à l'envers pour en faire un bonnet. Bon, est-ce que c'est extensible? On va checker ça. Non, c'est pas trop extensible. Donc faut pas trop avoir une grosse tête. J'espère que ça va rentrer dans la mienne, sur la mienne, parce que j'ai une grosse tête. Voilà. Donc, on retrouve ben, tout l'ensemble du collector Watch Dogs, édition Vigilante. Et ben, moi, j'ai commencé le jeu, je l'ai trouvé plutôt sympa. Donc, le fait de pouvoir hacker les caméras, c'est chouette. Et puis, là, on est bien dans l'esprit assez noir du personnage, avec le foulard, la casquette. Et puis, après, si on a envie, on se met une petite bande-son qui va bien. Voilà! Donc ben, c'était le unboxing Watch Dogs pour Assassin's Geek. Et donc je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, salut tout le monde!